Il sonne 11 heures lorsque le cortège du président du Conseil économique et social du Niger arrive à Libreville, dans l'enceinte du Conseil économique et social. Ici, il est accueilli chaleureusement par son homologue gabonais. Quelques salutations d'usage et signature du protocole d'accord à la satisfaction des deux parties. Je me félicite particulièrement. Cette cérémonie de signature traduit notre volonté commune de promouvoir des échanges de coopération à la fois divers et variés dans l'optique de faire du Gabon et le Niger deux pays véritablement émergents. Voilà qui, pour le président du Conseil économique et social du Gabon, va permettre de redynamiser la coopération entre les deux pays dont les échanges ont été toujours harmonieux. Bien, il y a d'abord des échanges d'expérience entre nos deux institutions, des possibilités de formation des membres des deux conseils, formation des personnels des deux conseils sur tous les plans, tenue des séances, rédaction administrative, sur le plan naturellement institutionnel, le renforcement des capacités au niveau institutionnel, amélioration des procédures de travail au sein de nos deux institutions. Moussa Moumouni Djermakoy a rappelé à des fins utiles combien les relations entre le Gabon et le Niger sont empreintes d'une singulière exemplarité, caractérisée par une coopération très ancienne et des rapports privilégiés entretenus par les chefs d'État Ali Bongo Ondimba et Youssoufou Mamadou.